Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode 2. Prêt, donc. On est un poil cerné. Docteur Yu, Morgan, là-haut, c'est l'officier cool. On peut pas ouvrir la porte principale, sinon ces saloperies vont s'infiltrer. Montez sur la passerelle, on va vous faire entrer. D'accord, cool. Merci, aussi cool. Je confirme que t'es quelqu'un de bien. Je crois que ça fait toujours aussi mal, c'est bon à savoir. Il y en a encore un normalement. On va éviter de tomber. Vous allez me démonter. Putain, chaque fois j'oublie. Chaque fois j'oublie. Oh, ça peut être intéressant. Je vais le fouiller d'abord. Ok, cool. Mais non! Putain, heureusement que le jeu est buggé, hein. Heureusement que le jeu est buggé, finalement. Excuse-moi, Diane. C'est pas prévu, hein. Tu viens? Non, apparemment, il vient pas. IEM et ondes psychiques. T'aimes pas les IEM? Ça tombe bien, j'en ai plein. Ouais, ça a pas l'air de le déranger plus que ça, hein. Ah ok, il m'a rect en one shot. En one shot, hein, je précise. C'est pour la blague. Pour la blague. Ok, pourquoi pas, hein. Moi, ça me dérange pas en soi. Quand ça arrive, mais bon. Alors du coup, attendez, faisons les choses bien. Et donc là, je la porte et je l'emmène avec moi. Là ensuite, je fais ça. Ça, je la lâche aussi au passage. Je la réveille. Et là, il est de mon côté. Diane, viens par là. Diane, par là. Elle a pas l'air méga tentée pour venir m'aider. Et donc toi... Vas-y, viens me voir. Ça fait rien en fait. Ça fait strictement rien. Ok, par contre lui il me fait vachement mal. Voilà, merci d'être venu, au revoir. C'est un leurre apparemment. Ok, bizarre. J'ai pas reconnu la forme du leurre en fait. Ce n'est pas alimenté. Ce n'est pas alimenté, ce qui me pète assez les couilles, je veux bien l'admettre. Ok. Bon, on s'en sort. On
On s'en sort. Ressort rouillé, je prends des fois que ça soit utile à quelque chose. T'as l'air d'en chier, Simone, hein. Hors ligne, élevé, d'accord, je peux pas, oui, forcément. Ah, ça n'a pas l'air vraiment en forme. Verrouillé. Hors ligne, ok, pourquoi pas. Bon bah, tout est hors ligne, puis visuellement. Absolument tout, d'ailleurs, hein. Et donc notre pote, lui, ne veut pas rallumer l'électricité. Pourquoi pas. On va quand même visiter un petit peu l'endroit à droite, là. Ouh, attendez. Il y a moins de temps désactivé, d'accord, ok. Bah, Diane, tu m'aides pas des masses, hein, honnêtement. Tu veux bien venir avec moi, ou... Avant de faire le con. Voilà. Comment suis-je censé... Ah bah si, en petite taille. Littéralement en petite taille. Regardez, genre... Ah bah là tu me suis. Et tu pouvais pas me suivre avant. Alors le problème de la petite taille, c'est que ça coûte cher en carburant. Ce que j'entends par carburant, c'est... Merde, ça me saoule. Je venais de le sélectionner pourtant le truc, hein. On est d'accord, non? Non, j'ai oublié? M'étonne. Je suis vraiment mauvais, hein. Ça va plus là aujourd'hui, hein. Par contre, si l'autre trou du cul me suit, mais alors... C'est bon, il le fait pas. Il a donc dessous du jet. Déchets radioactifs. Ok. Note. Il faut que je change mon mot de passe pour ne pas reployer. Je risque pas de l'oublier celui-là. Il a l'air très malin comme personne. Je vais le prendre. Ça veut pas, hein. Et quand ça veut pas, ça veut pas. Donc. T'es pas sérieux? Ah si, j'étais pas si loin. J'étais pas si près, pardon. Autant pour moi. C'est vrai que j'aurais pu passer par là aussi, ça aurait été 100 fois plus simple. 1000 fois plus simple? 2000 fois plus simple? Disons, c'est joli ça, donc j'imagine qu'on a la fameuse salle où justement je peux rallumer l'électricité. Genre là. D'accord. Il y a toujours mon pote qui m'attend là-bas. C'est génial, j'ai fait un truc exprès pour avoir de l'aide et finalement j'en aurai pas et je le sais. Ça. Monte. On va visiter un petit peu tout ça. Tourelle. Un modificateur là. Oh. Il y aura quelqu'un? Non. Personne. Mais bon, il y en aura bien une où il y aura quelqu'un à un moment donné. Donc. Hop, sauvegarde en cours. Et puis détaché, par contre, ça c'est cool. Ouh! Ok.
donc là c'est que des sorties, c'est ça? Ok, bon bah pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Bon, Ah oui, donc la porte là est complètement verrouillée parce que elle est pétée. J'entends pas. Question, s'il me voit utiliser mes pouvoirs de... Qu'est-ce qui se passe? Ok. Il me fout le doute. Je pourrais passer par au-dessus. Ouh, d'accord, il y a plein de monde en fait. C'est bon ça. Deux emails, retour et transfert. Affectation temporaire. Ok, bah c'est nul. C'est nul. Un moyen de s'en sortir. Bonjour madame, excusez-moi. Oui, je pourrais tous vous tuer, faire une. Je me disais. Je sais plus. Je suis contente de vous voir. Transtar a lancé une opération de sauvetage? J'étais dans la salle de stockage du carburant quand le feu a pris et que tout le monde s'est mis à courir. J'ai pris toutes leurs ressources. Pas les flammes. J'ai pris toutes leurs ressources. Je suis une vraie pute. J'avais contenu le feu et je tentais d'atteindre. Trois bonnes. On a de l'eau à monter à la fontaine tant qu'elle marche. Eh ben vous avez plus rien. L'officier Jordan est venu me chercher. Heureusement pour moi. Merci. J'avais aucune idée de ce qui se passait, ni de l'identité de ces choses. Tous mes collègues, ils sont morts, n'est-ce pas? Je me demande potentiellement, si c'est l'une des créatures qui a causé l'explosion au stockage du carburant. Elles sont intelligentes. Elles ont plus que ça. J'ai entendu dire que les modules d'évacuation ne fonctionnaient pas. Effectivement. Sans regarder ces trucs gigoter, ça me fait... Qu'est-ce qu'il fait? Oh mon dieu, c'est pas vrai. Je crois que je vais vomir. Ah, il vient de transformer. Il a créé un autre de ces monstres, comme s'il l'avait extirpé du cadavre d'Enoch. Ah, cadavre, peut-être. Va savoir, ça l'a peut-être sauvé. C'est peut-être toujours Enoch. Non, on dirait pas. Ça... Yo, bonjour. Allez voir Elazar. C'est elle la responsable depuis que votre frère a saboté la station. Ah, d'accord. On est au courant. Je vais vérifier les environs. Envoyer quelqu'un avec un chalumeau, il faut qu'on ouvre ces cages de fret pour voir ce qu'elles contiennent. Chalumeau. Il y a que le chalumeau qui puisse... Regardez, il y a un trou là, on est d'accord. Attendez les mecs, je vais vous trouver un truc moi. Regardez ça. J'ai utilisé mes yeux, et ça a suffi à remplacer un chalumeau. Ça va toujours? Ça va, officier Rose. Merci. Garde donc ça. Garde donc ça. Appelez-moi Al. Pas de brûlure? Non. Je suis sorti de là juste à temps, Al. C'est dangereux de jouer avec le feu, vous savez. J'essaierai de vous prévenir à la comique. Inventaire en excès, tu te fous de ma gueule, c'est possible. Des choses. Bon, je reviens vous voir dans un moment. Ouais, bon bah j'ai mangé des bananes, hein, tant pis. Hein. En même temps, le modificateur d'armes me sert plus à grand chose. Maintenant. Sans vouloir être méchant, hein, c'est juste que voilà. Ok. Ah. Là, mes yeux vont être moins utiles. Ah non, pas le hockey maintenant. Question.
En train de me dire que j'ai encore lancé une de ces... Putain, ça va plus. Comment vous allez ? Comment je vais ? Je sais pas trop. Vous pouvez... Poupi, 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 pou. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Hop, bah alors ? Vous êtes mauvais les mecs, vous savez pas ouvrir des portes ? Faut clencher, avant. Ouh, trouver un neuromode. Ça c'est bon ça. C'est même très 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 bon. De l'aura typhoon. J'aurais bien aimé prendre juste les munitions. Je sais qu'il y a un truc à recycler en face, donc on va aller le faire. Scan de la cible matérielle Typhoon non concluant. Enregistrement de la demande de calibrage. Ok. Ça c'est quoi ? Ça c'est de la merde, d'accord, ok, donc je peux le transférer. Ça c'est quoi ? Ça c'est bien, ça c'est de la merde, donc je peux le transférer. La merde, la merde. Ok. Allez, vas-y. Voici. Merci. Alors, voyons voir. Triage automatique. Donc on a des trucs d'amélioration d'armes. Est-ce que je peux améliorer le pistolet ? Oui. Je vais donc améliorer le pistolet pour m'assurer... Pardon. Menu. Amélioration. De sa portée. Et de sa précision. Voilà. La taille des chargeurs pour l'instant n'est pas extrêmement importante, quoique. Voilà. Et donc maintenant nous avons pu éliminer... un de nos compos. Ça peut vous sembler anodin. Pas pour moi, pas vraiment en tout cas. C'est toujours ça de gagner. Ok. Ça c'est cool. Pas penser à le récupérer. Ok. Ça je récupère. Des fois que. Vous savez que je pourrais faire ma pute et tout ouvrir, hein. Putain, il... Ah oui, d'accord. Le mec les attend juste de l'autre côté de la porte, en plus, hein, c'est... Pour le principe, c'est pas mal. Hop. Bonjour, utilitaire. Oh ! Je pouvais ouvrir les cages. Merde, bah si j'avais su... J'aurais pas pris autant de risques. Eh oui, j'aurais pu dire, bah si j'avais su, je serais pas venu, mais non. Mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non. Mais non, mais non. Coucou. Tu veux voir ma... puissance de feu? Oh, j'ai tellement envie de le rouvrir. Il est à combien le point de... Neuromode. Le point de... De commande d'ouverture, sécurité, voilà. Non, c'est pas ça. Le hack, c'est où? Scientifique. C'est là, il a 8 points, merde, ça pète, ça me trouve le cul. J'aurais tellement aimé leur ouvrir. Juste tellement t'apprécier. Bonjour. Il me suit. Je sais pas qui il est, mais il me suit. Il m'aime bien. J'ai un copain. J'ai un copain. Ok. Ouh. Ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Ouh, ouh, ouh. You touch my tralala. Oh, my ding-ding-dong. Ok, ça c'est pas si mal. Ici on a quoi? Regarde bien ce qu'il y a au-dessus, Marcus, aussi, des fois, sait-on jamais. Puis on place. C'est quoi ce petit bruit? Ok. Il y a eu un petit bruit, je sais pas ce que c'était. Pourquoi t'es aux aguets, Simone?
Bravo, continuez comme ça. Cool. Vous avez du bon boulot ici, apparemment. Carte de la zone, je veux bien. Ça pourra nous aider. Bon. Crac. Et la zone est donc gigantesque. Ok, cool. Je savais pas, j'avais pas remarqué. J'ai jamais affronté une situation si merdique, même pendant l'évacuation du Moyen-Orient. Oh. Voilà, tu nous as fait comprendre que t'es une vétéran. Patati. Oh. 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 Oh, cette blague. Oh, cette blague. Oh, cette blague. Cette blague, cette blague, cette blague. Merci. Jouons tout ça. Oh non. On va rigoler. Supprimer. Supprimer. Là, allez, crée. Et de venir voilà. Jusqu'ici dans le seul but de retourner sur Talos. Le seul moyen d'y parvenir est par la zone de Fred B, ouais, bon qui bah. Est infestée par les créatures qui ne pouvaient soi-disant pas s'enfuir, d'après votre frère. Un peu comme moi. Oh, tu m'emmerdes. Tu sais quoi? On va se marrer. Moi, j'en ai plus qu'assez de tes conneries. Hop, putain, je le gère. J'en ai plus que cette connerie. C'est l'heure de foutre la merde. On va foutre la merde. J'ai entendu dire que vous êtes dans le hop. Je le connaissais, je ne savais pas qu'il était impliqué dans le réseau de contrebande de la station. Je le considérais comme un ami. Voilà. Il faut croire que je l'avais mal cerné. Défense de la zone de fret. J'étais pas sûr de ce que ça donnerait, mais le résultat me convient. Vous en voulez encore? Et moi qui pensais que Dame Fortune nous avait tourné le dos. En fait, elle l'a fait. Tout aussi. Mais j'étais sûr qu'il s'en tirerait. Oh là 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 là. On doit bien pouvoir reconnecter quelques tourelles. On a tellement foutu la merde en ouvrant cette porte. Mika m'a dit. Quinten, il faisait sortir des preuves en douce de la station. C'était pas très malin d'ouvrir la porte comme ça. Je veux dire, c'était enfermé pour te mettre à l'abri. Faut croire qu'il n'a pas voulu me confier ce qu'il a découvert dans le département psychotronique. Il n'y a pas eu assez de morts comme ça. J'aurais voulu qu'il le fasse. Il n'y en a pas eu plus, hein. Je le dirais comme un ami. Mais merci d'avoir découvert la vérité. J'ai découvert un truc apparemment, c'est cool. Plus vigilant, de faire plus attention. Allez, ouvre. Darcy. Elle s'est battue jusqu'au bout. Elle aurait dû. Cool. Oh, cette blague. Hashtag j'ouvre. Poussez-vous. J'ouvre, j'ouvre, j'ouvre. X. Voilà, c'est bon. Digicode. Merci. Merci. N'empêche que c'était rigolo. Moi j'ai beaucoup apprécié. Hop. Oh. C'est nul. Y'a pas d'autres ennemis dans les trucs. Ça aurait été rigolo. C'eût été drôlissime. Alors attendez, charge recyclante. Là. Bon, il y a pas grand chose encore dedans, j'imagine. Il est dur, hein. Pour un niveau 1, il est pas simple, hein. Il y a un ennemi là-dedans, là, non? Oh. Indicateur de fusil à pompe, ça peut être intéressant, ça. Ok. C'est vrai que j'aurais pu le faire par la porte extérieure aussi, quand il pense. Bourbon, ok.
Ok. Bon. Why not? Allez, Sésame! C'est nul. C'est nul. Je m'insurge. C'est nul. 9171, vous avez vu le code? Putain, si le code est marqué sur le côté. Ouais, mais tu vois. Ah non, je peux pas le marquer. Bon, bah tant pis, on le hack, hein. Je tente ma chance, hein. Hop, F, c'est bon, ça passe. Il y aurait bien. Y'a pas d'ennemis. Je boude. Y'a pas assez d'ennemis. Je pensais qu'il y avoir plus d'ennemis dans cette zone. Je suis dégoûté. Kit de secours. Ça par contre je veux bien le prendre, y'a pas de soucis, merci. Oh. Pauvre homme. Pauvre homme. Bon. Dernière porte. Ah! Ennemi? Pas ennemi, pas ennemi. C'est nul. Je m'insurge, c'est nul. On va sortir de la porte. Ah, mais je reconnais. Cool. Cool, cool, cool. Ok. Sauvegarde rapide. On va aller voir dans l'inventaire. Non, non, c'est pas ça que je veux faire. Sauvegarde rapide. Voilà, merci. On va aller voir dans l'inventaire un petit peu, parce qu'on a trouvé quelques neuromodes au passage. Ça peut être intéressant. On est donc... Ah non, on ne trouvait qu'un seul neuromode, en fait, finalement. Autant pour moi. Là, je vais peut-être améliorer une dernière fois le gun. Crac. Voilà, parfait. Ça, c'est mon flingue. En termes de shotgun. Peut-être l'améliorer aussi un petit peu. Normalement, j'ai de quoi faire. J'en ai encore deux. Voilà, ok, et on est pas trop mal. Cool. Cool, 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 cool. Bon bah on y va. Progressons. Du coup tout est fonctionnel. Bon bah voilà. On va quand même... Oula, j'ai vu un truc rouge. Je vais être une tourelle en bas. Je vais quand même aller en profiter pour recycler un petit peu tout ce que j'ai. Oula. Encore un peu, juste à côté, donc on va en profiter aussi pour ça. Je peux aller recycler ça aussi, parce que celui-là, normalement, c'est le lourd, voilà. Ça, je peux le recycler aussi, oui. Et on est bon. Ça, je pourrais peut-être le recycler aussi, non? Je vais péter. Crac. Voilà. Bon, on est bon. On y retourne, chers amis. On progresse. Mais on progresse dans l'histoire. Donc là, je suis assez content. Hein, pour le coup, on fait notre job. Hop. Donc c'est cool. C'est cool en soi. On avance. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette impression-là dans le jeu. Mais bon, c'est pas plus mal. Hop, je prends un coup si ça vous dérange pas. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Lolvik Touche de thé. Personne ? Mika, je ne suis pas sûr que vous ayez reçu votre transcribe. Morgane se dirige vers vous. Vous et tous ceux qui sont avec vous êtes prévenus. Ne la battez pas par accident, ni volontairement. Morgane ? Je pensais qu'il était sur Terre. Eh ben non, moi aussi je croyais que j'étais sur Terre au début. Hop. Ça s'est vidé. Plus ou moins.
Ça, c'est un copain. Viens par là, s'il te plaît. Allez, viens. Allez, viens, allez, viens, allez, viens. Putain, ils sont d'une lenteur incroyable. Y'a un ennemi en bas. Ok, on va essayer autre chose. Histoire qu'on se marre un petit coup quand même. Ok. Vache. C'était vraiment très bizarre. Parce que le jeu m'a pas du tout prévenu qu'il y avait le cauchemar en dessous, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Oh là 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 là. Mais j'ai toujours un super pote qui me sert, c'est génial. J'ai pris combien de points? 4. Je ne suis pas sûr que vous ayez reçu votre transcribe. Morgane se dirige vers vous. Vous et tous ceux qui sont avec vous, êtes prévenus. Ne la battez pas par accident, ni volontairement. Morgane ? Je pensais qu'il était sur Terre. Morgane ? Ici Michaela. Je n'ai pas pensé à vérifier ton transcribe. Je ne sais pas comment tu as pu arriver là. Je pensais que tu n'étais plus là parce que... Non. Et ça, c'est un sensor. C'est de le pousser. Même si je parvenais à mettre la main sur les injections du bureau. Cependant, je pense que je peux nous... Vas-y, vas-y. Encore un peu. Encore un peu. Putain, il veut pas. Oh, attendez, il y a peut-être une autre technique. Bon, contente-toi d'y aller, d'accord ? Autre technique. Pff, à travers le sol, ouais. T'es sérieux, bonhomme ? Ah, attendez, peut-être que l'autre il va s'exciter par contre. Fait toucher par quelqu'un. Mais bien sûr. Ah mais alors le fait que ça me touche me fout hors de moi. Ok, on y va. Et là si t'arrives à me toucher pendant le truc, franchement, je pète une durite. Voilà, histoire qu'on se marre un petit coup quand même. Voilà, ça t'apprendra. Saleté. Alors je l'ai vu, hein, vous inquiétez pas. Putain, j'ai vu qu'il y avait une de ces saloperies de... Ah bon. Ah bon, ah bon, ah bon. Je sais pas ce que c'est qu'il fait. Bip, bip, bip. Voilà, ça là. Scanner. D'accord. Scan terminé. Dispositif corrompu. Tous les spécimens sont requis. Contrôlé par un technopathe proche. Voilà, je l'ai bien vu alors. Tu peux bien m'ouvrir la porte, s'il te plaît? Tu veux pas? C'est pas chiant comme garçon.
rappelle plus comment j'avais réussi à monter ici. Je me rappelle plus. Comment j'ai grimpé? Et si vous me dites que j'ai pris l'escalier? Je vais vous niquer. Oh. Oh. Oh, j'ai un copain. Et même celui-là un coup de main. Merci. Ah, c'était par là, tout bêtement. Ah, je l'ai loupé. C'était pas là. Serait-ce par là? Oui, c'est par là. J'ai plus de balles. Je sais plus ce qui leur fait le plus de dégâts aux technopathes. L'électricité. Ah, intéressant. J'ai un pouvoir comme ça normalement. Putain, mais il bug ce jeu quoi. C'est incroyable. Voilà, prêté pour un rendu, comme on dit. Forcément, là, il me touche. Croyez que je l'ai eu? Apparemment oui. Oh merde. Ça c'est con. Ah bah j'ai réussi à recharger, je sais pas comment. Mais c'est cool. Tour et la chaise, c'est bon. J'ai plus d'ennemis. Je crois. Je peux pas ouvrir la porte. Dégage. Putain, saleté de bestiole. M'a foutu les boules. Plus juste avant je dis j'ai plus d'ennemis, mais en fait si. C'est ce qu'il est venu me dire en fait. Ok. Toi, piratage. J'espère que j'ai choisi le chemin le plus simple encore. Wow, W. Ah! Ah putain! J'étais dedans. Aïe. Ok, on y retourne. Oh putain. Mettez-moi des faciles, c'est bien, merci. Je dis ça parce que celui-là me semble pas si simple pour autant. Même si je le finis vite. Je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, mais c'est pour mieux leur retirer. Qu'est-ce que tu crois? Au psychique. Quoi? Faut que j'installe un truc dans le centre de traitement des eaux. Ça peut être rigolo. Réparer.
Allez, on retente. Assez de psy. Ok, on y va. Allez, viens. Viens, copine. Pêche, hein. C'est à foutre. Ce serait lui qui causerait problème. Si c'est le cas, vu où il est, ça peut être rigolo, hein. Ok. Ça fait mal. On va tenter autre chose, hein. Mais non, qu'est-ce que t'es con. C'est moi qui me suis anti. Et donc j'ai perdu mon copain. Ah non, il est là, mais. Mais il est pas actif. J'ai plus de balles. Attends, j'arrive. Laisse-moi deux secondes. Voilà, boum. Ok. Ça c'est fait. Bon, par contre, clairement, je me sens pas des masses aidé par mon... par mon soutien que j'ai le loisir de créer quand je le peux. Donc je suis un poil dégoûté. Surtout qu'apparemment quand, ma, quand il passe devant ma tourelle, il semble pas l'alarmer. Donc est-ce que nous avons vraiment affaire à un tel allié? Wow. Il vient d'y avoir un drôle de bruit. Bon alors attendez, je vois un truc blanc au-dessus. J'ai pas réussi à passer dessus. Fenêtre, il y a un truc ici. Donc techniquement en passant par là, je devrais pouvoir. Ok, ça me semble intéressant de tenter le coup. What? Merci. Voilà. Si ça ne te dérange pas. Et c'est fermé ici aussi. Bah oui. Penses-tu qu'il utiliserait ses deux bras? À quoi ça sert? D'avoir des bras. Allez, grimpe. Oh putain. Même Enzo est plus facile à contrôler que toi. Ah. Ah non, c'est ce que j'ai pris, c'était pas... Ça allait pas me régénérer quoi que ce soit. Dommage. Oh, des gens. Il y a de la vie là-dedans. Je vais boire l'alcool, ça te dérange pas.
envie. J'ai envie de picoler. Et est-ce que je suis dans la bonne direction seulement en fait? C'est ça le truc, c'est... Parce qu'en fait, il faudrait que je réactive l'électricité de la zone, mais je ne sais pas exactement comment, donc je vais descendre, c'est pas grave. Gestion des déchets. Dis. Et livraison. Reste d'anguille. Ok. Il y avait de la bouffe là-dedans. Comment ça se fait? Pas d'électricité, donc toujours pas en fait. C'est un drôle de bruit ce truc là. Hein. Comment qu'il te refait tes déchets? Par contre, c'est un peu couillon ce que j'ai fait parce que comment je remonte? Comment je remonte? Comme ça. Oh putain! Oh le con! Bon. Comment je suis censé rallumer l'électricité là-dedans? Parce que là, du coup, il n'y a tellement pas d'électricité qu'en fait. En appuyant sur le bouton. Bah. Qu'est-ce que je suis con! Ah, puis cette position me recte le cou. Et du coup. Ah, bah tu me suis là du coup ou pas? Ah! Ah! Ça y est, on va le voir en action, chers amis. Allez, vas-y, recte-le! Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui montrait sa bite? Oh, regarde! C'est tout ce qu'il faisait, on est d'accord, hein. Il y avait des cultures à base de typhoon pour alimenter les choses, d'accord. Ah. Donc la récupération. Oui. Allons voir. Il est nouveau. Ah merde. Il est nouveau aussi celui-là, j'ai l'impression. Utilitaire, déverrouiller le terminal de traitement. Oh. Cool. Cool, cool, cool. Bon, cadeau, vodka. D'accord, mais le code était là. C'est pas grave. Oh, de la santé. Hop, alors on est à court d'hypopsie, on est à court de plein de choses en fait, à vrai dire. Faut dire ce qu'il y a. C'est pouvoir rentrer par la porte normalement. C'est pas? Quoi? Ah oui, c'est l'autre trou du cul. Contrôle des machines. Elle est devenue hyper solide sous prétexte que je l'ai. Parfait, je l'ai eu. Ok, cool. Gant de baseball, merci, je présume. C'est ce que je dois dire, non? Merci quand on me donne un truc comme ça. Matériau organique, je prends. Organique d'ailleurs. Ta mère, neuromode x2, je prends aussi. Je ne dirai jamais non à deux neuromodes. Et cette pièce ne servait strictement à rien d'autre. Ah si, attendez, autant pour moi, placé. Ouh! Ah, c'est injecteur des particules psychoactives dans le centre notamment des os, d'accord, ok. Et donc, il se passe quoi? Je fais des choses!
fait des choses, ça doit pas être bien. Objectif. Je sais pas. On verra. Ces amoureux, toi, merci. Mon pote semble m'avoir quitté à l'arrière. Hein. Il n'est plus là. On continue. Et nous, chers amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci d'avoir laissé Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo!